Bonjour, je suis Christophe Lautraire, je suis vétérinaire et responsable des opérations vétérinaires pour FEMS. Car je m'occupe lors de l'arrivée des 3 ans à la vente élite de l'examen clinique qui a lieu le premier week-end de la vente. C'est-à-dire qu'on va examiner chaque cheval individuellement qui va passer dans 3 stands distincts. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis vétérinaire à Bailly Vétérinaire et mon poste aujourd'hui c'est de vérifier l'état clinique des chevaux. Donc on vérifie déjà si on a le bon cheval, on vérifie sa puce, ensuite on regarde toutes les blessures éventuelles et les sarcoïdes éventuelles qu'il faudra surveiller ou en tout cas notifier aux futurs acheteurs. Ensuite on regarde les yeux, savoir s'il y a des lésions qui sont soit rédhibitoires, soit à surveiller. Et pareil pour le cœur et les poumons, la détection d'éventuels souffles cardiaques. Dans ces cas-là, on va conseiller des examens futurs et surveiller l'état des poumons également, voir s'il y a la moindre anomalie et en cas de toux. Tout ça dans le but d'éclairer au maximum les futurs acheteurs et savoir s'il y a des choses à faire par la suite ou à surveiller. Bonjour, François Rieux, je vais vous parler de l'examen clinique qu'on réalise sur terrain souple sur les chevaux pour les ventes FEMS. Donc lors de cet examen, on va examiner les chevaux et s'assurer de l'absence de boiterie ou de gêne locomotrice sur terrain souple et aux 3 allures. On va en plus écouter et permettre de déceler des bruits à l'effort qui pourraient être une gêne pour l'utilisation future, comme le cornage. Et dernièrement, on réalise un examen cardiaque après effort, où on s'assure de la régularité du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque simplement, et ça nous permet aussi de diagnostiquer des bronchites ou des inflammations respiratoires. Troisième stand dans lequel on va examiner le cheval sur le cercle dur au trot, puis en 8 de chiffre au pas afin d'essayer de détecter d'éventuels signes d'ataxie. Et enfin, on va observer le cheval en ligne droite, au pas et au trot, afin de vérifier ses aplombs. Et on va aussi examiner la conformation de son bassin. Et l'ensemble de ces opérations va être reporté sur une fiche qui va suivre le cheval et qui va ensuite être mise en ligne et à disposition de tous les acheteurs et aussi de leurs vétérinaires. À l'issue de l'examen des 20 clichés, on établit un score radiographique. L'image normale est notée 0. Une image pas tout à fait normale, c'est-à-dire avec une variation anatomique, mais dont on pense que la conséquence n'est pas grave pour le cheval, elle va avoir un point négatif. Et puis une image plus importante, plus inquiétante, mais avec une solution chirurgicale ou médicale pour le cheval, va être notée 2 points. C'est l'exemple des chips. Une module ostéochondraux qu'on trouve dans les articulations et qu'on peut retirer facilement par arthroscopie. On additionne les points négatifs. L'ensemble des chevaux ici sélectionnés n'ont pas plus de 4 points négatifs. Il faut savoir que par ailleurs, il y a une étude faite par le professeur Jean-Marie Denois qui a été faite sur plusieurs centaines de chevaux de 3 ans pour avoir une référence statistique. Et le score moyen radiographique des chevaux d'une population de plusieurs centaines de chevaux est de 5 points. En fait, l'ensemble des chevaux sélectionnés à FEMS fait partie d'une population qui est déjà au-dessus de la moyenne fournie par l'agence FEMS pour sélectionner des chevaux très haut niveau dans cette vente élite, est accompagnée tout à fait directement par un effort de sélectionner les chevaux dont la qualité physiologique et physique et la qualité d'un point de vue médical s'approche aussi d'un niveau élite. C'est-à-dire que la sélection est absolument draconienne et on souhaite qu'un acheteur achète en toute confiance aux ventes élites et n'ait pas de problème par la suite. Je suis bien sûr présent chaque soir de vente et pendant les répétitions et prêt à répondre à toutes les questions qui concernent les dossiers et radiographiques et de visite clinique de tous les chevaux. L'ensemble des informations concernant la santé des chevaux est accessible directement par n'importe quelle personne en ligne.
Fence et lors de ses ventes élites.